Alors, il est venu pour casser le pouvoir de la mort, pour ne pas que l'homme ait peur de la mort. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. Alléluia. Mais tu dis, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Le Seigneur dit, viens me voir, tu as dit, tu. Mais pour voir le Seigneur dans le salut, il y a un passage. Et c'est de ce passage-là dont il est question. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous a simplifié ce passage. On n'est plus obligé d'aller nous mettre dans un cercueil sous la terre pour renaître. Alléluia. Mais c'est d'une mort spirituelle dont il est question. Pour revivre. Mais même la mort spirituelle, là, on a peur. Le chrétien a peur de cette mort spirituelle. C'est de quoi? Le sacrifice, la souffrance. Alléluia. Le chrétien a peur de la souffrance. On veut que tout soit doux, 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 doux et doux. Quand il y a un peu d'amer, aïe, on est découragé, on baisse les bras. Amen. Alors que le chrétien doit aimer la croix, c'est-à-dire la souffrance au nom du Seigneur Jésus. Il doit aimer la traverser, le passage pour aller à la victoire. Amen. 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 Alors mon frère, ma soeur, comme je te disais, cette révélation de la croix, cette révélation de la Pâque, cette révélation de la mort et de la résurrection du Christ. Amen. Si Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a pris tout sur lui, nos souffrances, nos difficultés, nos soucis, nos inquiétudes, tout ce qui pouvait nous faire peur, Jésus a tout pris. Amen. Tout ce qui est difficulté, que ce soit blocage spirituel comme blocage physique, tout ce qui est incapacité, Jésus-Christ a pris ça sur la croix. À chaque coup qu'il était en train de recevoir, c'était nous, nos fardeaux qui recevaient. Alléluia. Toutes les humiliations, il les a tous pris. Tout ce qui était comme obstacle, il les a tous pris. Tout ce qui était comme maladie intérieure, c'est-à-dire blessure intérieure, comme blessure extérieure, physique, Jésus-Christ les a tous pris sur la croix. Alléluia. Et quand il les a pris sur la croix, il est parti sur la terre avec. Alléluia. Maintenant, un autre phénomène qui va se passer, la résurrection. S'il était seulement resté sous la terre, c'était une défaite pour nous. C'était une défaite. Mais il va rejaillir. C'est la victoire. Et il les a pris pour partir. Ce n'était pas pour aller arranger. Ce n'était pas pour aller raccommoder, comme on raccommode une chaussure. Alléluia. C'était pour aller renouveler, c'est-à-dire rendre ça pur, c'est-à-dire où tu es là, hein? Si tu ouvres ton esprit, tu ouvres ton cœur ce matin, tu prends conscience de ce que Jésus a fait, les choses vont changer sans que personne ne bouge le doigt. Alléluia. Il a tout pris, même quand tu dis je ne suis pas capable de faire ça, c'est... Ce n'est pas vrai. Tu es capable. Parce qu'en prenant tout, il t'a donné, par cette résurrection, il t'a donné l'autorité, le pouvoir de régner et de dominer. Ça, on a préparé l'enseignement pour ça. Régner et dominer. Tu vas comprendre le pouvoir que tu as. Tu as une bombe atomique. Quand le diable même te voit, il tremble. Mais comme tu ne sais pas, toi-même, tu trembles devant quelqu'un qui tremble devant toi. Voilà l'image qu'on montre. On tremble. Quelqu'un, il te voit, il tremble. Mais comme tu ne sais pas, toi, tu trembles. Donc, deux personnes qui tremblent. Je vous assure souvent que je suis assis et dis, hey, Seigneur, fais-nous comprendre qui nous sommes. Quand il te voit à distance, il tremble. La Bible dit quoi? Le diable reconnaît, il croit aussi et il tremble.
tu crois. Et tu ne trembles pas. Voilà la différence. Il croit. Vous pensez que le diable ne sait. Il a vécu auprès de Dieu. Il était le chef de la louange. Il sait comment on adore. Il sait quand on adore Dieu, comment Dieu est heureux. C'est pourquoi aujourd'hui, là, il attaque ceux qui font louange. Là. Je suis chant de l'éternel, il te brise. Là, tu t'assois. Ton chant, là, c'est terminé. Tous les chants qui se lèvent, qui ne sont pas préparés, le diable finit avec eux. Même quand on dit qu'il n'a plus de voix, la voix est là, ça sort. Sa vie est cassée. Amen. C'est fini. Il était le chef de la louange, de l'adoration. Donc il connaît. Et quand quelqu'un est en train de t'adorer, il sait comment tu déploies ton cœur content. Et quand ta femme te dit à toi, ton mari, oh mais tu vois comment tu es beau, tu es élégant. Ça c'est l'adoration. En fait, adoration, un riff est sur la terre ici, pas adoration céleste. Mais tu es content. Il m'a envie de dire, tu es bien habillé. Et son visage se transforme comme ça en lumière. Quand tu dis, mon frère, oh mais vraiment tu es élégant. Hein, son visage. C'est pourquoi Dieu dit, dites des bonnes paroles aux gens. Et quand même tu dis une bonne parole, tu regardes bien le visage de la personne. Tu sens une transformation. Tu sais que la personne est bien. Mais commence à lui dire, ah mais tu es mal habillé. Mais c'est une parole. La personne commence à recevoir et ça rend la personne triste. Donc quand le diable te voit, mon frère, quel que soit qui tu es, quel que soit dans quelle situation tu te trouves, toi qui as reçu cette réalité sur ta vie, le diable trouve. Oui, ce n'est pas à nous de chercher les sorciers. C'est les sorciers qui doivent nous voir et fuir. Tu dois arriver à ce stade. Là, il y a un sorcier ici. Là, il y a un sorcier ici. Combien de sorciers tu vas trouver? Laisse-les. Mets-toi dans la lumière de Dieu. Et lorsqu'il te voit, on dit le diable tremble. Alléluia. Cette soeur qui priait, mais sa belle-mère, c'était le tabernacle. Elle dit, son fils ne va jamais se marier. Et cette fille prie, célibat est terminé, célibat est au koi. Alléluia. Voilà mariage. La belle-mère dit, ok. Ton affaire de Dieu, on va voir. Mais il ne faut pas faire un pied. Elle était à deux pieds joints. La vieille femme quitte. Elle dit, je viens faire un mois avec vous. Des jeunes qui viennent se marier. Comment une belle-mère peut... Laisse-la au moins le temps. La femme dit, il n'y a pas de problème, viens. C'est le nom qui entraîne. Voilà. Moi, je sais quel Dieu je veux. Et là, il ne faut pas venir dormir. Donc elle a dit, maman, bonne arrivée. Tu sais, comme nous on prie ici, il y a mon groupe de prière, il y a quelques-uns qui ont venu prier avec nous ce soir. Mais quand le sorcier connaît sa puissance et il te regarde, il joue, il pense que toi aussi tu es quelqu'un de superficiel. Elle dit, il n'y a pas de problème, on peut prier. Les gens sont venus allumer le feu. La vieille dit, on dirait que c'est chaud ici. Hein. Ils sont partis. Alléluia. La semaine qui suivait, la soeur est rentrée dans le temps de jeûne. Elle dit à maman, il y a jeûne à l'église, donc je jeûne. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et qu'à la fin du temps de jeûne, on a prié. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, quand ils ont fini la prière, le lendemain, la maman dit, moi-même, j'ai trop de choses à faire au village-là. Elle n'a pas fait une semaine, il faut que je rentre. La belle fille dit, non, maman, c'est elle, maintenant, tu vois, quand c'est comme ça, il faut dire, non, maman, on ne va pas. Reste. Et tu es là, ces petits soins, la femme, elle a vu le feu, elle dit non, faut que je parte. Faut que je parte. Elle dit à son fils, non, non, vraiment ici, non, faut que. Il dit, mais ma femme, t'as fait quelque chose? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est. Aïe, le feu du Saint-Esprit a pris le corps. Elle est partie. Depuis ce jour qu'on dit, maman, elle dit non, moi, j'ai trop de choses à faire ici. Amen. Faut pas chercher les gens. Laisse les gens te fuir. Laisse le diable trembler. Que moi je suis bébé spirituel, même un bébé spirituel qui vient d'être accouché, le diable le voit, il tremble. Je vais vous dire pourquoi ce soir, il tremble. Alors il connaît tout ça. Et quand toi tu le vois, tu trembles. Mais quand il te voit trembler, il s'arrête. Il arrête de trembler, il dit, oh voilà un bon mangement. Voilà quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Ok, je vais encore l'effrayer. Et quand il met la dose, tu trembles.
Les anges de Dieu sont autour de toi et disent, oh, ne tremble pas. Ouvre la bouche pour dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prends autorité. Mais tu dis au nom de Jésus, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La peur, là. Tu vois. Dieu assis là, il dit, oh mon enfant, tu as autorité et pouvoir sur lui. Élève ton bâton. Si tu lèves ton bâton, il va tomber tout de suite. Est-ce que tu vas prendre conscience? Est-ce que ta conscience est ouverte? Ne regarde pas, j'ai dit, Jésus qui s'est venu pour ne regarde pas, oh moi il y a ci, moi il y a cette situation, ne regarde pas ça cette nuit-là. Regarde à la parole de Dieu qui va s'appliquer sur toi. Alors, résurrection, Matthieu 27. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure dans l'adoration, j'ai vu le pouvoir de la résurrection. Mais les choses se sont ouvertes, c'est réel. C'est réel. Jésus-Christ est vivant. Matthieu 27, amen. À partir du verset 51, la parole de Dieu nous dit, et voici que le voile du sanctuaire se déchire en deux, de haut en bas. La terre tremble, les pierres se fendent et les tombeaux s'ouvrent. Et bien des corps se relèvent, des hommes saints qui reposaient en paix. Oui. Après sa résurrection, il sortit des tombeaux, entra dans la ville sainte et apparut à plusieurs personnes. Alléluia. Vous voyez le jour de la résurrection, la réalité qui s'est passée. Des personnes saintes qui étaient déjà mortes dans les tombeaux. Les tombeaux se sont ouverts. Amen. Des personnes en sont sorties. Les gens les ont vues. Amen. La puissance, la terre a tremblé. C'est une puissance de renaissance qui se dégage du bas vers le haut. Toutes les semences que Jésus-Christ a pris pour engloutir, amen, il allait tout sanctifier, il a purifié, il a renouvelé et il ressort avec. Amen. Ah. La résurrection. Quand Jésus qui s'est ressuscité, tu as reçu la guérison. Tu as reçu tout ce qui est comme déblocage de ta vie. Amen. Isaïe 53 même le dit, au verset 12, Jésus-Christ a arraché toutes les richesses pour donner aux puissants. Qui sont ces puissants? C'est toi et moi, ceux qui avons accepté le Seigneur. Donc, dans ce tenant, Jésus-Christ tout arraché, comme le peuple de Dieu avait tout arraché aux Égyptiens en sortant de l'Égypte. Amen. Donc dans cette renaissance, Jésus-Christ a tout arraché pour te donner. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu vas te voir autrement? Au cours de l'année, les richesses sont déjà avec nous. Il suffit de prendre conscience. Alléluia. Alors, je vais terminer cette révélation que le Seigneur nous donne. On ne pourra jamais assez parler de la mort et de la résurrection. Il y a toujours des révélations cachées à l'intérieur. Aujourd'hui, à nous, aujourd'hui, la révélation que nous devons saisir, c'est que Jésus-Christ a opéré cela il y a plus de 2000 ans. Et chaque jour, chaque année, pour certains, chaque semaine, ou chaque jour, chaque année, de manière véritable pour toute l'Église de Dieu, nous renouvelons cette alliance, nous renouvelons cette grâce. Jésus-Christ habite en toi. Parce que, comme on vient de dire, on a vu au temps de l'Égypte. On voit maintenant avec Jésus-Christ qui nous a été donné. Amen. Maintenant, le troisième mouvement, c'est à toi maintenant. Quelle est cette implication de ce temps de Pâques, de Jésus qui est mort ressuscité? Quelle est l'implication dans la vie du chrétien, c'est-à-dire dans ta vie? Et si tu prends conscience de ce fait, l'Emmanuel, Christ,
Dieu est avec nous, amen. Mais il est question maintenant de Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu habite en nous. Jésus-Christ est en nous. Quand on prend les Moïse, l'Esprit de Dieu était avec eux. Mais regardez les prodiges qu'ils ont fait. Quand on prend tous ces personnages, l'Esprit de Dieu n'était qu'avec eux. L'Esprit de Dieu vient travailler, il repart. Mais regardez les prodiges qu'ils ont fait. On a plus que. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus avec nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Donc, on peut faire plus de prodiges que. Est-ce que vous entendez? Quand quelqu'un est avec toi, par moment, il peut te lâcher. Il peut aller acheter du gombo, il peut aller acheter du fodou. Donc, le petit temps qu'il passe, toi, tu restes seul. Mais, quand quelqu'un habite en toi, c'est-à-dire quand tu bouges, la personne bouge avec toi. Alléluia. Quand tu manges, la personne mange avec toi. Quand tu te laves, la personne se lave avec toi. Tu voyages, la personne voyage avec toi. Quand tu es en train de penser, la personne pense avec toi. Quand tu es en train de pleurer, la personne est avec toi. Alléluia. Si Jésus-Christ habite en nous, en toi, ce qui veut dire que toi qui as accepté Christ, les mêmes réalités dont nous avons parlé se sont passées pour toi, en toi, et ces mêmes réalités continuent de se passer pour toi. Ça veut dire que si Jésus est mort, toi aussi tu es mort avec lui. Amen. Si Jésus est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité avec lui. Et est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, on me dit c'est vrai. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Moi, quand j'ai pris conscience de cette réalité, j'ai su que je n'étais pas n'importe qui. Et personne ne peut venir me dire tu es n'importe quoi. Parce que si toi-même tu ne prends pas conscience de ton identité, les gens viendront te dire qui tu es. Ton identité, Christ vit en toi parce que tu l'as accepté. Nous avons lu Jean. Dans Jean, il a dit, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu gardes sa parole, Dieu et lui viennent prendre une chambre dans ta maison. C'est-à-dire, ils viennent habiter avec toi. Alléluia. Et si Jésus-Christ habite en toi, moi je ne vois pas ce qui ne peut pas opérer dans ta vie. C'est question tout simplement de prendre conscience de ton identité. On parle d'identité, de savoir que je suis là, je porte Christ. Mais si tu prends conscience que tu portes Christ, ta vie va changer. Ta manière de penser va changer. Ta manière de parler va changer. Comme Saint Paul dit, je parle comme tu parles, je réfléchis comme tu réfléchis, j'agis comme tu agis. Si tu commences à coller ta vie à celui qui est présent en toi, les choses vont changer dans ta vie. Ce qui veut dire que si tout ça là s'est passé, moi j'ai compris ça. J'ai dit, je vous ai dit ce témoignage. Même quand j'étais bébé spirituel, j'ai saisi cette révélation. J'ai dit non. De la mort, Christ m'a fait revivre à la vie. Parce qu'il y a eu plusieurs moments, des choses qui devaient arriver, même où tu pouvais même mourir physiquement. Mais Dieu a veillé sur toi. Il t'a fait sortir de cette mort pour te donner la vie. Mais prends conscience qu'il est avec toi. Prends conscience que personne ne peut rentrer dans ta maison, dans ta vie, sans toi-même ta permission. Alléluia. Moi, j'ai pris conscience. Étant bébé spirituel, le diable veut toujours amener des événements pour t'effrayer, pour t'ébranler, pour t'empêcher de grandir spirituellement. Je vous ai plusieurs fois rendu pour ceux qui étaient là ce témoignage. Étant encore bébé au lait spirituel, et j'étais dans mon zèle. Et comme il y a un frère qui disait ici, quand la piqûre de Dieu rentre dans les débuts, tu es zélé, tu es fougueux. Amen. Mais c'est en ce moment-là, le diable voulait me casser. Un beau matin, ma maman, dans toute sa respiration, me dit, j'ai failli mourir toute la nuit, où tu étais? J'ai entendu une parole. J'ai un nom,
qui cherchait vraiment le Seigneur à outrance, il partait partout. Lui, quand on dit prière ici, prière là, il ne cherche même pas à savoir c'est qui. Il arrive, une parole sort, on dit tu as ta grande soeur qui a deux filles. Il y a une qui est noire, il y a une qui est claire. C'est moi la claire. On dit on a vu, elle est morte. Et de partout du monde entier, son funérailles était grandiose. Et quand cette parole, ma mère a entendu toute la nuit, elle a failli avoir une crise cardiaque. Mais regarde, on dit ta fille est morte. Donc déjà même toute la nuit, elle dit qu'elle me voyait dans le cercle, elle me voyait, mais elle n'a pas pu dormir. Et le matin, elle m'appelle, moi j'étais au travail, elle me dit voilà la parole. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus, je refuse cette parole déjà, avant même qu'elle ne pénètre dans mon âme. J'ai appelé mon guide spirituel, j'ai dit voilà la parole, je vais rentrer dans un temps de jeûne, pour ne même pas que ça rentre, pour même pas accepter. Amen. Mais j'étais dans des situations dans le monde où je pouvais mourir. Mais aujourd'hui, où Jésus-Christ m'a enlevé des ténèbres, de l'obscurité, des chaînes, il a dit des paroles prophétiques sur ma vie. Mais pourquoi je vais mourir? Dieu n'est pas un menteur. On dit ce que sa bouche dit, sa main triomphante réalise. J'ai commencé à prendre la parole de Dieu. J'ai dit jamais je ne mourrai. Je vivrai pour raconter les merveilles du Seigneur. J'ai fortifié mon âme pour ne pas que mon âme accepte la parole. Quand j'ai fini mon papa dit, ma fille, tu as bien fait. Et la femme a dit, c'est une prophétesse. Elle a dit, il faut qu'elle vienne, que je prie sur sa tête, sinon elle va mourir, elle va. Non. Quand j'ai fini mon temps, le diable dit, c'est l'esprit qui veut venir te communiquer la mort et qui est en train de s'agiter. Quand j'ai fini là, j'ai pris mon temps, je suis parti. J'arrive à ma grande surprise, je trouve toute ma famille presque. De partout, des quartiers. Elle a donné des paroles partout. Mais les gens tremblaient comme si. J'arrive, je vois tout. J'ai dit, mais vous faites quoi là? Oh non, elle a donné telle parole pour telle personne, pour telle. J'ai dit, mais c'est quelle parole de mort qui va venir tuer? Parce que ma famille maternelle, depuis des générations, des descendants, chaque année, chaque fin d'année, c'est la mort à la même période, des fêtes. Donc les gens n'ont jamais fait de fêtes. C'est toujours vers la fin de l'année des funérailles. Et tu regardes leur visage, c'est devenu des visages de mort. Ils ont pleuré. Tellement ils ont pleuré. Mais aujourd'hui, je rentre dans l'alliance avec Dieu. Pour que Dieu brise cette alliance de mort, toi tu es venu me communiquer cette mort. Je dis jamais. Moi, je ne mourrai pas. Alléluia. Le sang de Jésus m'a délivré de la table de la mort. Aujourd'hui, je vais vivre. Amen. Mais quand je suis descendu chez la dame, donc ça a chauffé. J'ai dit, c'est moi. Elle dit, assois-toi. Je me suis préparé spirituellement. J'ai dit, je suis là. D'où vient cette parole? Cette parole ne vient pas de Dieu. Parce que moi, je lui ai dit mon témoignage. Voilà ce que, à plusieurs moments, j'ai failli mourir. Hein? Dieu m'a sauvé de là. Il y a eu des occasions où je pouvais mourir, Dieu m'a sauvé. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour moi. Son sang a cassé le pouvoir de la malédiction sur ma vie. Le pouvoir de la mort, le pouvoir de la sécheresse. Alors, je suis affranchi avec lui. C'est de quelle parole il s'agit? Je vous assure, la dame a baissé sa tête. Je l'ai fixée dans les yeux. Elle balançait sa tête. J'ai dit au Seigneur, si elle vient de Dieu, que cette parole vient de toi, que tout soit paisible. Si c'est un esprit des ténèbres, que la table sur laquelle elle a déposé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile avec des noms dessus, tremble tout de suite. La table a commencé à bouger. Tous ses yeux sont tombés. Alléluia. J'ai dit voilà. J'ai dit esprit Python, je te ramène où tu as quitté, esprit de mort. J'ai pris autorité. J'ai dit, elle a baissé sa tête jusqu'à failli tomber. Elle soulève sa tête et me dit, tu es véritablement un enfant de Dieu. Amen. Tu connais ton identité. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'elle a dit. Vous voyez, quand tu ne connais pas ton identité, comment le diable vient se mettre des ciments dans ta vie pour te frayer? Là, je vais commencer à trembler et je vais commencer à voir. Et me voilà en train de. Ma foi commence à baisser. Et de bébé spirituel, là même, je deviens embryon spirituel. Amen. J'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas mourir, les gens viennent de tout le monde entier. Dieu a dit, tu iras me servir aux extrémités de la terre. Et Dieu a dit la parole précisément où j'allais partir.
Mais voilà encore, même à peine je sors des ténèbres, tu me dis je vais mourir. Et la mission de Dieu. Aujourd'hui, me voilà aux extrémités de la terre en train de le servir. Alléluia. Et ce n'est balancé. J'ai rassemblé toute ma famille. J'ai dit, venez que je repris sur vos têtes pour dégager cette onction diabolique. J'ai invoqué le sang. J'ai dit, eux tous, ils ont cessé de prier. C'est moi, j'étais en spectacle. Ces gars qui priaient papa sur les gens, tous se sont arrêtés. J'ai prié sur ma famille, sur la tête de chacun. J'ai dit, rentrez, j'ai arrêté des taxis, rentrez chacun. J'étais la dernière. La dame était à terre. Tous ceux qui étaient là étaient à terre. Alléluia. Essaie de connaître ton identité. Essaie de savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Jésus qui s'est mort pour toi. Tu es capable de tout. Tu es capable de prier, déclencher la bénédiction sur ta vie, la bénédiction sur la vie de ta famille. Tu es capable de t'arrêter à cause de cette résurrection sur ta vie. Parce que tout a été englouti, chômage, sécheresse, blocage financier, tout, célibat a été englouti. Alors, par cette renaissance, il t'a tout donné. Amen. Tout est dans tes mains. Mais parce que tu n'as pas pris conscience, donc les choses ne peuvent pas pousser. Prends conscience. Quelque chose te fatigue, prends conscience de ce mystère de la croix, de la résurrection. Prends la parole de Dieu et fracasse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu verras, les choses vont commencer à bouger. Alléluia. Si chacun prend conscience, regardez la dimension dans laquelle on va rentrer. Amen. Depuis ce jour, j'ai dit, waouh. Mais je ne suis pas morte. Parce qu'elle avait donné une date. Et dit en plus, je ne suis pas morte. Alléluia. Mais voilà. Dieu est vivant. Je ne mourrai pas. Le jour où je vais mourir, actuellement même je suis contente si je meurs. Parce que là, je n'ai plus peur de la mort. Je vais voir la face de Dieu. Je suis heureuse, je suis comblée. Mais comment il veut venir exterminer comme ça ta mission? Alors, mon frère, c'est de pouvoir prendre véritablement conscience que Jésus a pris les richesses. Moi, depuis ce jour, j'ai compris que je ne dois plus courir derrière. Et j'ai dit, fléchis les genoux. Fléchis les genoux, prie. Tu es un enfant de Dieu. Dieu a dit quoi? Approche-toi de moi. Je ne vois pas un enfant qui a peur d'aller demander des choses à son papa. Les papas qui sont ici, les mamans. Même quand l'enfant vient, l'enfant s'en fout de ta situation. Si tu as, tu n'as pas, tu travailles, tu ne travailles pas. Lui, il vient et dit, maman, je veux ça. Papa, je veux ça. À toi d'aller réfléchir et d'arracher tes cheveux la nuit pour lui trouver la chose. C'est comme ça que nous devons faire avec Dieu. Mais nous, on réfléchit. Est-ce que Dieu m'aime là? Nous-mêmes qui sommes des hommes imparfaits, nos enfants viennent nous demander sans réfléchir. Alors, pourquoi pas nous allons vers Dieu? Dieu qui possède, nous réfléchissons. Est-ce que Dieu même peut me donner? Ça, c'est pas sûr. Vraiment, la parole, là, ça, c'est trop pour moi. Amen. Tu dois y aller comme un enfant. Dis, papa, me voici. Par cette résurrection, il nous a fait régner et dominer. Quand on parle de régner, ça, c'est spirituel. Quand on prend dominer, ça, c'est physique. Alléluia. Quels sont ceux aujourd'hui qui dominent le monde? D'après vous. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent. On domine le monde, on a l'argent. C'est pourquoi Dieu a dit, il y a un maître qui est là, l'argent. Tu as l'argent, tu n'as rien, tu n'as rien, tu es quelqu'un. Amen. Tu vas dominer, mais tu ne peux pas régner. C'est différent. Le règne, ça c'est un pouvoir spirituel. Amen. Mais Dieu dit, vous allez régner. Par ma résurrection, je vous fais régner, je vous fais briller. Spirituellement, tu brilles, il y a la lumière sur toi. L'obscurité te voit, l'obscurité fuit. Et tu vas dominer la terre. Tu vas dominer. Est-ce que tu veux rentrer dans cette parole? Est-ce que tu veux rentrer dans cette parole? Par la résurrection, tu vas dominer. Tu arrives, quelqu'un dit, mais ah, lui-là même, il est qui? On le règne, il est mais ah, il règne là. C'est ça, un enfant de Dieu doit régner et dominer. Il arrive dans une entreprise, même si tu commences à la porte, tu dois dominer. Dieu doit t'élever, petit à petit. Il ferait le chemin. Ah, on dit, nous se plantons à arriver ici, amen. C'est ça, parce que tu es un Dieu
qui te met à la tête, non à la queue. C'est ça. Tu règnes. Devant des oppositions spirituelles, tu règnes. Devant tout ce qui est matériel, tu règnes. Dieu te fait régner spirituellement, il t'accompagne avec le matériel. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible où Dieu a élevé spirituellement et qu'on n'a pas vu le matériel suivre. Amen. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Dieu a dit non, allez, tu seras riche aussi. On a vu David, toutes ces personnes, ils étaient dans une communion avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils régnaient. On a vu le règne, quand on dit le règne du roi, il y a des rois qui ont vraiment régné. Il y a certains qui n'ont pas régné, ils n'ont pas brillé, on ne les a pas vus. Les Saül, là, ils n'ont pas régné. Alléluia. Ils ont royauté, c'est-à-dire qu'il est resté là comme il n'a pas régné. C'est David qui est venu régner. David était un roi craint. Il était un roi craint. Le peuple était soumis à David. Alléluia. Et David régnait sur la royauté. C'est ça, un enfant de Dieu, tu dois régner. Amen. Dans tes études, tu dois régner. Tu dois régner partout où tu passes. Jésus-Christ vit en toi, il a tout opéré. Alors, si tu prends conscience de ce fait, tout va être englouti et tout va ressortir. Qu'est-ce que tu veux mettre dans le cercueil? Qu'est-ce que tu veux que cela puisse repousser ce matin? Au moment où la parole est en train d'être donnée, essaie de voir tous ces mouvements. Qu'est-ce qui est encore incapacité? Qu'est-ce qui te domine encore? Parce que la parole dit régner et dominer. Est-ce que tu sens que tu règnes? Tu as encore peur des sorciers? Hein? Tu as encore peur de l'obscurité? Quand on éteint la lumière, il y a des gens qui fuient tout de suite. Est-ce que tu règnes? Est-ce que tu sens que spirituellement tu brilles? Si ce n'est pas le cas, tout à l'heure, on va les engloutir. Amen. Est-ce que tu sens que tu domines? On te domine. Amen. On n'a pas dit d'aller exercer sa violence sur les gens. Ce n'est pas ça dominer. Dominer veut dire, est-ce que les situations là, c'est-à-dire quand la situation se présente, où tu te trouves, où tu te mets, tu fuis. Tu cherches les raccourcis. Hein? Tu cherches. Dominer, c'est ça. Quand quelqu'un domine, quand il arrive, on sent qu'il domine. Amen. On sent. Et donc ce soir, par sa mort, nous allons renouveler cette grâce. Tu vas tout plomber sur la croix. Amen. On va faire deux types de prières. On va tout plomber sur la croix. Tout ce qui est blocage spirituel, tu es encore enfant de Dieu, mais tes rêves sont encore atroces. Tes rêves sont encore atroces. Dans tes rêves, il n'y a jamais eu de victoire. On te domine toujours. Amen. Parce que parfois dans la prière, on ne sait pas comment s'orienter. Tu sens, même que physiquement, on te domine. Le monde te domine. La chair même te domine. Quand tu dis à ta chair, faisons ci, la chair répond non. Et puis tu obéis. Ça, c'est une domination. C'est encore plus dangereux que quelqu'un même vienne te dominer. Alléluia. Alors, on va tout plomber. On va tout engloutir. Et puis dans le deuxième mouvement, nous allons appeler la pluie de renaissance. Alléluia. Pour ouvrir les tombeaux. Pour ouvrir tout ce que, de par nos désobéissances, de notre infidélité, de nos découragements, le diable est venu encore mettre la main. Amen. J'ai beaucoup aimé ce passage de Hébreux 4, versets 7 à 9, noté et lisez. Où le Seigneur a dit que c'est à cause de l'obéissance de Jésus que Dieu a écouté, que Dieu accomplit les choses. Donc, de par nos désobéissances, nous permettons au diable de venir encore nous mettre sous sa domination. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qu'il y a toujours un renouvellement des choses dans notre vie. Et qu'à chaque moment, nous pouvons renouveler les choses. Amen. On peut renouveler notre grâce de notre baptême. Hein? On peut renouveler, comme nous sommes en train de faire. Oui. Hébreux 5. 7 à 9. Amen. Venez vous suivre. Où le Seigneur a parlé de l'obéissance. L'obéissance. Alléluia.
Et quand vous lisez cette parole, on voit que l'obéissance, c'est la souffrance. C'est le sacrifice. Par exemple, je suis là, je suis fatiguée, je suis assise. Ma fille Gloria dit, mais maman, donne-moi de l'eau, je vais boire. Hein? C'est-à-dire, tu te regardes, tu vois la fatigue que tu as. Et puis elle te dit, donne-moi de l'eau. Donc, qu'est-ce que l'obéissance? C'est de pouvoir faire un sacrifice. Amen. C'est de te surpasser là. C'est de pouvoir accepter de dépasser ton ego pour accomplir ce qu'on te demande de faire. Mais nous désobéissons à Dieu. Pourquoi? Parce que cet ego est encore dur. Alléluia. L'ego est encore dur. Cette carapace est encore là. Et on a peur de faire ce détachement. Et donc quand Dieu dit, ton esprit sait que Dieu dit, tu es un enfant béni. Mais pourquoi il y a autre chose qui se passe? Parce que ce qui est dans l'âme est encore collé. On a l'occasion encore de donner cette année un enseignement spécifique sur l'âme. Pour détacher, c'est ça la mort. Amen. Quand on parle de mourir, c'est ça. Pour détacher ces vieilles habitudes. Ah, moi, j'ai l'habitude de parler comme ça. Mais quand tu viens dans le Seigneur, tes habitudes doivent changer. Tu dois arrêter tes vieilles habitudes de parler comme ça. Tu dois épouser la nouvelle habitude que Dieu donne. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment Dieu veut qu'on parle? C'est un exemple. Tu cherches, tu trouves, et puis tu appliques. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Moi, celui qui me fait du mal, je le hais. Ça, c'est dans la vie de l'autre côté. Dieu dit ici, celui qui te fait du mal, donne-lui le pied. Mais tu dois rentrer dans ce costume de cette parole. Si tu veux que les choses s'appliquent comme le Seigneur a prévu. Ce matin, mon fils de Bible disait quelque chose, j'ai tellement ri. Il dit, mais c'est comme si tu vas prendre la clé du voisin pour venir ouvrir toi ta porte. Comment la clé va rentrer? C'est comme ça qu'on veut faire dans la marche avec Dieu. On veut prendre la clé qu'on a eue de l'autre côté pour venir ouvrir les portes ici. Ça ne marche pas. Il faut prendre la clé de la porte. Et puis ça va. Vous m'entendez? Et c'est ce détachement que Jésus allait faire sur la croix pour nous. Il allait nous décoller. Il allait décoller de notre âme cette carapace dure qui fait que quand Dieu dit tu es béni, ça résonne dans ta tête, tu es maudit. Quand Dieu dit, toi, tu seras une femme, ceci, la parole résonne en toi. Dieu dit, toi, tu seras mon serviteur. Quel serviteur? Moi, qui suis encore dans le péché, moi, tant. Et c'est cette carapace qui te fait réfléchir comme ça. Dieu a dit la parole. Il dit, si tu suis le mouvement de la parole, la chose se réalise. Alléluia. Tu as fini de prier. Le Seigneur vient te dire, tu as reçu le chèque. Toi-même, tu étais heureux dans la prière. Tu finis. La vieille personne antique qui est assise en toi te dit, toi comme si là, tu penses que ce chef-là, c'est pour toi. Et puis c'est ce que toi tu écoutes pour dire c'est vrai. Moi, je n'aurai pas ce chef. Et la même personne te dit, mais comment toi tu vas avoir, comment tu vas faire pour recevoir ces 10 000 dollars? Et puis écoute, toi tu écoutes, tu dis, mais c'est vrai. Mais les 10 000 dollars vont sortir d'où? Et puis elle te répond encore pour te dire, mais voilà comment on va faire pour toi. Et puis tu dis, mais ça, on dirait que ça c'est vrai. Alors que tout ça c'est faux. Alléluia. Et c'est cette vieille personne antique qui que le Seigneur a détachée pour nous coller une âme nouvelle à l'image de Christ. Donc tu as si là, tu es renouvelé. Le fait d'être renouvelé ne dépend pas de ta situation. Ça dépend de ce que tu penses à l'intérieur de toi, de ce que tu as accepté la parole. Et quand tu acceptes la parole est comme quelque chose qui rentre. Et le fait d'accepter, de prendre conscience, c'est comme cette parole-là se renouvelle, ça travaille et puis ça sort. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen.